Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis sans Sancho qui, ne sait pas trop qu'on a recommencé les unboxings. Pour ceux qui se le demandaient, oui, en octobre, Post-Canada avait eu une grève rotative qu'ils ont appelée. Moi, j'ai eu des paquets stockés à Vancouver jusqu'au mois de décembre, même plus. Et c'est en janvier, j'ai tout reçu, même des box de décembre. Et là, on est en février, je suis à jour, je commence à recevoir mes bottes de janvier. Normal, voilà. Donc, on va recommencer avec les nouvelles boîtes. On va skipper tout ce qui est pas arrivé. On recommence et on va recommencer avec du solide, du lourd. On parle, bien sûr, de la boîte Marvel Collector's Corp sous le thème de X-Men. Voilà, on se rappellera de Marvel Collector's Corp avec leur Funko Pop exclusif à Marvel. Le thème X-Men, ça nous fait penser vraiment au groupe du professeur Xavier. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'espère pas un autre Logan, pas un autre Wolverine, pas un autre Colossus, bien que j'en aille pas, mais... Non, je veux un pop rare, un nouveau moule, un personnage qu'on n'a pas vu encore, qu'on a très rarement vu. Donc, voilà. Donc, juste pour ceux qui ne le savent pas, la boîte ship seulement aux États-Unis. Donc, si vous voulez la voir à l'extérieur des États-Unis, faut absolument passer par Shipito ou une autre compagnie de ce genre-là, qui vous donnera une adresse d'entrepôt virtuel, ou est-ce que Amazon, puisque c'est Amazon qui détient les droits de distribution, enverra donc la box à cette adresse-là virtuelle dans l'entrepôt de, par exemple, Shipito, et ensuite, eux autres vont vous l'envoyer directement à votre porte. Donc, une chance que la boîte est au-dessus de 30$. Donc, les frais de shipping sont gratuits sur Amazon. Par contre, on se fait bien avoir du côté de Shipito. Ils me reviennent à 50$ ou 40 et quelques, dépendamment de la compagnie. Par contre, vu que c'est pas pour ce Canada qui le prend dans ces cas-là, je le reçois dans la semaine qui suit. T'es pas même dans la même semaine. On m'avertit lundi que la boîte est reçue. Je paye lundi soir ou mardi. Et mercredi, jeudi, je suis en train de le recevoir. Voilà. Par contre, la boîte est très petite. Voilà. Donc, je doute qu'on ait un 6 pouces ou un boîte double. Mais ne tardons plus. On va passer tout de suite à l'unboxing. Je vais vous montrer l'intérieur avant même de procéder à l'unboxing. Et voilà, d'avoir un récapépette. Voilà, donc j'ai un crayon qui est tombé. On va commencer avec le crayon Wolverine. Voilà, oui, pourquoi pas, un petit crayon Wolverine, ça je prends bien. Oui. Je veux ça plutôt qu'un pop. Alors, on l'a eu à toutes les sauces, le pop déjà. Donc, juste le récapépète ici. J'ai vu brièvement que le prochain thème est Captain Marvel. Donc, comme le film, très intéressant. Très, très intéressant. Je me demande bien quel personnage on va avoir. Donc, ne tardons plus. Imagine, c'est le t-shirt. Ah non, pas le t-shirt. Ah, des chaussettes. D'accord. Regardez bien. Il y a le X de X-Men. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les orteils sont séparés. Je vous montre. Vous voyez?
pas vrai. Ça fait un peu penser, surtout avec... vous voyez, c'est pas des chaussettes lisses, c'est un peu... pelotonné, est-ce que ça se dit? Ça me fait penser un peu à du poil, voilà, qui... voilà. Donc, Beast, la bête, surtout les orteils dégagés, ils auraient acheté des griffes, ça aurait été parfait, mais ça aurait endommagé quelques souliers. Mais bon, très très bien, intéressant, donc j'imagine que c'est le wearable. On va pas s'attendre à un t-shirt, donc je tape brièvement, vite, et... ah, ça c'est un bloc-notes. Oui, bloc-notes pour l'école du professeur Xavier. École des jeunes doués, surdoués. Ouais. Pas pire. J'ai une panoplie déjà de calepins, mais bon. Ensuite, il y a une petite boîte ici. Et il y en a une autre plus grande ici, qu'on dirait la pop. Donc on va y aller avec la plus petite. Oh, une rock candy! Dark Phoenix, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Bubblehead, bien sûr, mais regardez ça! Ouh! De toute beauté! Oh oui! Oh ouais! Pour ceux qui ne le savent pas, ben. J'ai une étagère remplie de Rock Candies. Donc, je ne vais pas vous le cacher, elle ira rejoindre les autres. Voilà. Très, très bien. Excellent. Donc, il ne semblait pas avoir grand-chose d'autre que la pop. Donc voilà, la boîte est vide et il ne reste plus que la pote. Angel, bien sûr. Une petite position un peu en envol. Un peu comme Falcon. Voilà, qu'on peut percevoir ici, si vous avez de bons yeux. Donc, une petite pose, oui, mais... ses ailes déployées, on voit toutes les plumes. Oui, très très belle pop. Très belle pop. Oh ouais. Excellent. Donc c'est ça qui est ça pour la Marvel Collector's Corp du mois de janvier. Sous le thème de X-Men. Personnellement, oui, je considère que la boîte remplit sa mission. C'est sûr que des bas au lieu d'un t-shirt. Mais en même temps, des t-shirts, on en a tellement. Donc, c'est original. Oui. Et le calepin et le crayon vont bien ensemble. Donc, ça s'assemble. Et Angel comme pop, c'est original, je trouve. Donc oui, le prochain Captain Marvel, oui, je suis intéressé, intrigué, mais je veux savoir, vous, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, et bien moi je vous dis à la prochaine! Sancho? Tu filmes pas des unboxings? Non, je filmais pas. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Avec la boîte par terre et la caméra? Hein? Oui, qu'est-ce que tu fais? Cabron? Je me pratiquais, c'est tout. Ah, ok.
la musique. Ciao.